Bonjour, bonjour. Encore de retour, nous voilà dans le deuxième chapitre de la vidéo que nous avons commencé hier, il y a une semaine. Sans plus tarder, nous allons continuer. On s'était arrêté sur... après avoir installé l'application, l'application à compte qui va gérer les utilisateurs, on s'est promis qu'on allait installer... on allait commencer à écrire les views. Mais bien avant ça, dans toute application, il y a ce qu'on appelle des packages. Moi, dans l'application que j'avais utilisée jadis, j'avais créé tous ces packages-là. Donc, ce qu'il faut faire, et je copie ces applications et je les relance dans mon application à moi. Donc, je reviens dans le fichier Requirement. Je vais voir ce qu'il y a d'applications qui se répètent. J'ai déjà Pilo qui est installé, jadis. Il y a encore d'autres applications. Django, j'ai déjà la version 5 qui est installée. Il doit avoir d'autres applications. Bon, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Je relance notre commande magique. Je vais sur Internet. Comment faire la mise à jour du fichier requirement? Pip install requirement. C'est une commande qui permet d'installer les packages copiés dans vos fichiers, dans le fichier requirement. Donc, il est expliqué ici comment installer. Nous, on fait comme ceci. Parce que les frises qu'on avait utilisées, j'ai décidé pour créer le fichier. Mais nous, je fais coller, je tape entrer. Ça va installer tous les packages qui sont dans le fichier. Maintenant, en cas d'erreur, ça va souligner qu'il y a d'erreur, je savais. Ça m'a fait comprendre qu'il y a requirement bit.mit error, get requirement bit, notice fully. Ça demande qu'est-ce qu'il faut corriger. Le problème c'est did not run successfully. Il dit the error original from sub-processor did not click, did not problem repeat. Bon. Et les paquets ne vous rendent pas service, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on va faire, je vais copier cette erreur dans, je vais copier, je mets cette erreur, je viens dans le monsieur qui sait tout. J'ai un monsieur qui sait tout en ligne, c'est à lui que je pose ma question. Bon, ChatGPT, vous savez, c'est un outil qui a été créé récemment par l'application OpenAI. Chaque fois que j'écris du code ou j'ai des bobos où je ne comprends pas, je me réfère à lui. Je peux contrôler. Il va nous expliquer sur pourquoi ça nous a envoyé cette erreur. Et vu que c'est en anglais, je dis traduit en français. Traduit en français. Il semble qu'il y ait une erreur lors de l'attente de construction de votre package Python. Le message indique qu'il y a un problème avec la commande ou raison énergie. Ça mentionne spécialement sur l'option générée utilisée pour résoudre ce problème. Vous devez peut-être examiner le script de configuration du package énergie. Donc, on y a cherché le package EnigiSon. Je remonte et on revient dans notre fichier. On doit chercher le package EnigiSon. EnigiSon, on doit l'enlever. Puisque c'est ça qui nous crée un bobo. Le voilà.
on l'enlève, j'essaie de relancer pour voir si les chiffres vont rouler comme bon le semble. Je reviens ici, je copie une autre commande. Je fais CTRL-V, j'efface cette commande-là. Je fais coller. Je reprends la même chose. Ça nous demande que Asgiref est répété deux fois. J'en étais sûr. Le voilà. On enlève la version 2. Je relance notre application. Je fais CTRL-V. Je fais la même chose. Conflit, ils disent que 3,81, 3,4. Ok, je l'enlève. Ok, ouais. C'est répété deux fois, je présume. Je fais coller toujours, même chose. Je fais la même chose. Je copie. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je fais clear. Je fais coller. J'ai lancé l'environnement deux fois, je crois. Je reprends l'environnement. CD. Vite. Je fais coller. Jusqu'à là, tout va bien. S'il n'y a pas de rôle dont les paquets sont en train d'être installés, à la fin de notre installation, il n'y aura pas d'erreur en bas. Le système va stipuler qu'il a bien installé. Oui, tout va jusqu'à présent, tout va bien. Donc, j'attends toujours, on attend. Donne, oui. Ça veut dire jusqu'à là, tout va bien. Les paquets sont en train d'être installés. Bon, je ne sais pas si ça va prendre trop de temps ou si ça va allonger la vidéo. Mais je prends le Richelieu, l'installer complètement. Puisque ça va, ces paquets vont dépendre de le fonctionnement exact de notre application. Parce que si il y a des paquets qui manquent, lorsque vous allez terminer votre application, peut-être les fichiers Java ne vont pas marcher. Ou bien parce que tout à l'heure, vous allez voir, j'ai installé le package qui prend en compte le fichier PDF. Ça va nous permettre de générer notre profil en version PDF. Encore des erreurs, MySQL. Ça va pas être de MySQL. Je n'ai pas envie d'utiliser MySQL dans avec ce fichier. J'ai pas envie. Donc, s'il y a MySQL dedans, c'est ça. Et MySQL, je te décompte de là. S'il y a MySQL, je l'enlève. Oui, je fais CTRL-V, coller. S'il n'y a pas de problème, ça va continuer à achever les installations. Toujours. On attend, on attend, on attend. Je crois que c'est en train d'être fini. Bon, d'habitude, les paquets ne prennent pas trop de points, c'est juste des petits fichiers. Sinon, si un paquet prenait trop de pas, ça va alourdir votre application et ce ne sera pas trop. Je vous savez, en programmation, il faut éviter que les fichiers prennent trop de plus de poids. Parce que plus c'est lourd, plus on va l'installer sur un serveur. Vous voyez, ça prend trop d'espace. Donc, j'attends toujours les installations. On attend. Oui, encore des erreurs. Ça me souvient que le fichier SQLite, que le fichier SQLite est répété deux fois. Et ici, il n'y a pas de défaut. Nous, dans la version 0.50,
Ici, le système nous montre 0,41. Donc, je redescends. Je cherche là où se trouve SQLite et on l'enlève. Le voilà. Donc, je l'ai supprimé. Normalement, je ne suis pas habitué de je suis pas obligé de vous montrer. Mais au cas où vous retrouvez dans de telles situations, c'est comme ça qu'il faut procéder. Chaque fois qu'il y a une erreur, l'erreur mentionnée dans le terminal, ou bien quand l'erreur est assez compliquée, vous copiez ça dans ChatGPT. ChatGPT répond à toutes sortes de questions. Du coup, aujourd'hui, le développement web n'est plus aussi compliqué comme l'était jadis. À vous de voir, c'est à vous de choisir le langage web qui vous correspond et vous lancer dedans. Sinon, avant, moi j'avais fait du PHP. Après du PHP, j'avais fait aussi du Ruby. C'est juste une petite parenthèse. Le temps que les packages finissent l'installation, j'avais fait du PHP, j'avais fait du Ruby. Mais les deux langages ne correspondaient pas. Et j'ai découvert Django en fin 2022, début 2023. Et j'ai là, jusqu'à présent, je trouve que Django, c'est super. Bon, Django a été utilisé par Google parce que celui qui a contribué le langage de développement Python, il s'appelle Van Brozen, je crois. Hein. Il a été employé chez Google. Donc, Google a pris, vu qu'il a été employé chez Google, Google les a aidés à développer Python. Donc, Python est devenu un langage très incontournable, très demandé. Donc, c'est pourquoi moi, je me suis lancé dedans. Je vais voir, si vous prenez Instagram, c'est conservé Python. Spotify, il y a Python. Telegram, il y a Python. Google, il y a une partie. YouTube est conservé Python avec Django. Il y a pas mal de sites qui sont conservés en Python. Et Python, Django, c'est la framework. À part Django, il y a aussi la framework Flask. Bon, moi, je préfère Django. Vous savez, les frameworks, il y a trop de similitudes. Donc, moi, je préfère Django. Je crois il y a une petite erreur encore. Petite erreur de... Non, ça peut aller. Je crois que c'est bon. Oui, ok, et ça dit Kunod, BuzzFeed, General, Report, Lab, Twitter, ainsi de suite. Ah ouais, il a parlé en anglais. Je fais copier, je débarque ici. Je demande à notre monsieur. Il nous donne le compte. Il semble qu'il y ait une erreur lors de la constitution du. Oh ouais, ça c'est des fichiers que j'avais installés pour l'installation de MySQL. Mais j'en ai pas besoin. On efface. Je vais faire un serveur. Je ferme ceci. Je vais et tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Nous allons continuer. Nous allons créer maintenant nous allons faire nos premiers pas. Ici, dans account. Mais il faut un autre fichier qu'on appelle URL. Il va prendre un compte. Les liens qui se rattachent à chaque page que notre application est censée de lancer. Ça c'est le dossier template qui prend encore les fichiers template. Il n'y est pas encore. Oui, on peut créer le fichier template avec S. On crée ça dans notre dossier à compte. Je fais le dossier, je fais template avec S. Template. Avec S, c'est un sous-dossier. Dedans, je peux créer le dossier à compte. C'est
C'est dans ce dossier à compte que nous avons créé les sous-fichiers. Donc, sans plus tarder, je viens ici. Et bien avant, on doit aussi créer le dossier tweet. Parce que dans le dossier tweet, on a la page par défaut. La page. Il doit avoir la page base qui peut s'afficher par défaut. Je vous explique un instant, vous allez voir ça ici. Ok. Il y a la page base qui prend en compte. Tout c'est la page par défaut qui s'affiche, la page qui prend en compte les liens, les tests et ainsi de suite. Donc, on doit créer notre sous-fichier template, un autre sous-dossier template dans notre dossier Twitter. Donc, je ferme tout ceci. Ceci, je mets un template, dossier template. Template. Dans notre template, nous allons mettre le fichier ceci. Il doit avoir base, home et test. Base, ça c'est le home et le test. Nous allons y arriver plus tard. Mais base, on doit en prendre comme base. Mais base, fichier, base, point. HTML. HTML. Mais dans le fichier base, nous allons mettre les fichiers par défaut. Et fichiers se connecter, ne pas se connecter, ça je vais arriver. Mais la partie home, ça prend en compte, je vous explique. Ça prend en compte, il y a aussi des pages par défaut. Je crois que le fichier base prend en compte les liens affichés une fois que l'utilisateur est connecté. Mais home, c'est la page générale. Point HTML, je tape entrée. Ceci, je fais CTRL A. Il y a rien de compliqué ici. Je fais CTRL A. Là, vu ici, il y a Eston Base. Eston Base, ça permet de faire appel à un fichier qui est dans un autre dossier séparé. Eston Base va faire appel à ce dossier-là, ce fichier du moins. Donc, je fais CTRL A. Je fais copier, je viens ici. Mais normalement, on doit trouver une manière pour faire afficher cette page par défaut. J'irai dans l'autre dossier, l'autre application. Je mets Vio. OK. Oui, dans ce dossier, pas et dans le dossier Home. Tout se passe dans le dossier Home. Mais nous allons y arriver, nous allons y venir. Je continue. Bon, je reviens ici. Ici, nous avons le fichier Vio. Dans le fichier view, c'est dans le fichier on met des fonctions, des paramètres qui doivent être en collaboration avec la base de données pour afficher le compte utilisateur ou le compte ou pour afficher des pages, peu importe la page. Mais tous ces petites lignes de code que vous voyez en haut, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis qui sont rattachés à des packages qui sont préinstallés. Jadis à l'avance dans nos fichiers, dans l'application. Bon, ici, tweet modèle, je ne l'ai pas encore installé. Donc, je peux fermer. Ça, je n'ai pas encore posé. Ça, c'est le fichier qui va pas encore, le fichier PDF. Je ne l'ai pas encore importé. Je mets apostrophe, task, pas encore. Je mets apostrophe. Mais par contre, ce form, on peut le créer. C'est un fichier que je peux créer ici. Forms.py. En gros, c'est un fichier qui prend en compte les formulaires. Donc, nos formulaires sont ici. Vous avez vu? On a Django Contrib. Il fait rappel au modèle. On a le formulaire SignUp, le formulaire Profil. Donc, je fais copier. Une fois que je ramène ici, maintenant, normalement, le fichier form, on doit le rappeler dans le fichier views par un raccourci. Du coup, voici
ce raccourci par lequel on l'a appelé form, point form, import. Il va importer les deux tables qu'on a créées, signup et user profil. Donc je reviens ici dans le views. C'est tout ce que nous allons importer. Bon, sans plus tarder, nous allons mettre fin à notre vidéo. On va se dire à la prochaine dans un autre chapitre.